Dirigez-nous, votre web TV. À l'Institut provincial Jean Jaurès, on met les bouchées doubles. C'est que la fin d'année est proche et que pour Henri Lancelotti, le directeur, c'est la dernière ligne droite. Son métier s'est complexifié. C'est beaucoup de casquettes en même temps. C'est à la fois être psychologue, à la fois être infirmier, à la fois être pédagogue, à la fois être gestionnaire. C'est une grosse entreprise, une école. Hein. Mais quand il quitte son bureau, Henri Lancelotti se transforme en Enrico Lancelotti. Et Enrico, c'est un ténor. Je pense que le chant, c'est une véritable thérapie du bien-être. Et ça me permet d'avoir un équilibre de vie. Rien que mon travail, même s'il est passionnant aussi, mais je pense qu'à un certain moment, je ne vais pas dire qu'on s'en lasserait, mais la priorité serait tellement forte que je pense que ça m'étoufferait un petit peu dans ma vie privée. C'est important d'avoir une passion telle que celle-là, parce que je la transfère aussi dans mes compétences de tous les jours en tant que métier de directeur. C'est ainsi que je développe certains projets avec des élèves. Cette année-ci, on a fait le projet opéra avec les élèves, où ils vont enregistrer un CD. Je pense sincèrement que c'est ma culture musicale de l'extérieur que je ramène vers l'intérieur qui fait en sorte qu'on aboutit sur certains projets.